Salut! Petite vidéo un peu spéciale, c'est la première qui se déroule dans notre appartement et pas à l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, on a reçu un gros bébé. Dans une précédente vidéo, on était au Japon, c'est celle qui est derrière. Elle est floue, moi je suis net, c'est normal. Depuis qu'on est revenu, il y a un truc qui manque ici en France, bah, c'est les salles d'arcade. Ici, il est impossible de sortir et de trouver une salle tous les 10 mètres. Donc on s'est un peu renseigné avec Chou et on a trouvé une société sur Paris qui fait des bandes d'arcade sur mesure. Donc je vais la laisser raconter l'histoire. Il était une fois un beau jeudi ensoleillé, qui d'ailleurs fait pluvieux finalement, où nous sommes allés sur Paris pour aller voir des bornes d'arcade. Et donc du coup on est parti à Neo Legend pour voir toutes les bornes d'arcade. Et oui, il a fallu deux fois pour aller le voir, pour lâcher de l'argent dans la borne la plus grosse. Voilà, mais bon, elle était juste magnifique, on allait lui faire un petit sticker magnifique. Quoi? Cher? Non, pas du tout, regarde, petit calcul. Avec un monnayeur de 20 centimes, voilà, on fait le tarif de la borne divisé par le prix de la partie. Il faudrait trouver 21 000 parties à faire jouer, donc venez à la maison. Bon bah je crois que le mieux maintenant, c'est carrément de vous présenter notre nouveau bébé. Hein. Il est un peu gros, mais il a réussi à passer par l'ascenseur. Heureusement pour nous. C'est qu'on aille par là-bas, hein. Allez dans le coin. Allez, c'est parti. Je vous montre un peu les consoles dispo. On avait la Dreamcast, on a toutes les Game Boy et on a surtout les Super Nintendo et la Nintendo 64. De gros bons souvenirs en tout cas pour moi. La PlayStation qui reste la console d'amour de ma vie, voilà. Vous vous souvenez tous de Coco, la magnifique petite amie de Crash Bandicoot. Parce que franchement, elle était belle comparée à lui. Et le petit tigre! Yeah! Je sais, vous connaissez tous cette chanson. Mais bien sûr, vous le kiffez. Et bien sûr, une fois qu'on a choisi la plateforme, à nous le choix de tous les jeux. Donc voilà, classés par ordre alphabétique, on a moyen de passer de lettre en lettre et il y a même un système de favoris. Mais c'est assez impressionnant. Vas-y, tue-le! Tue-le! Les taxis, ça déchire. Bon, bah pour conclure, des bons petits souvenirs et ça me rappelle tout le voyage au Japon, donc aucun regret, on s'éclate et puis ça nous rappelle notre enfance aussi, donc c'est top. Et dedans, il y a 8000 jeux, hein.